Bonjour à tous et re-bienvenue dans ces finales du World Warrior Top 4 du World Warrior Street Fighter 5 Champion Edition. J'allume la lumière, je vous rappelle, ce tournoi c'est la dernière chance pour un joueur français de se qualifier aux Worlds de Street Fighter, la Capcom Cup. En solo en tout cas, puisqu'il y a encore une chance pour une team française de se qualifier pour le tournoi team, la Street Fighter League. Il est donc extrêmement important, le niveau de jeu est exceptionnel et en finale nous allons avoir deux joueurs de Chun-Li, les meilleurs joueurs de France, qui vont s'affronter l'un contre l'autre, TKR et Valmaster. Évidemment, eh bien, c'est un match qui est extrêmement tendu, tant Valmaster a une Clio à rembourser que TKR eh bien, a tout à prouver sur la scène compétitive. Il est peut-être le plus français de tous, hein, d'ailleurs, dans son style de jeu. Il représente tous ceux qui ont l'esprit libre et la folie en lui. Valmaster, quant à lui, eh bien, il a une chance immense de pouvoir peut-être porter Chun-Li très très haut, comme vous pouvez le voir. Freya affrontera Killzew en loser bracket juste après. Merci beaucoup Neiwa pour le sub. Vous pouvez utiliser actuellement vos points de chaîne pour parier sur qui va l'emporter. Je vous rassure, il n'y a pas d'argent là-dedans. C'est juste histoire de voir un peu les tendances sur qui semble remporter, qui ne semble pas remporter. Tous ceux dans le chat qui ont un badge 1 ou 2 ont d'ores et déjà parié. Pour parier, c'est en haut de votre fenêtre de chat. Vous pouvez utiliser ce qu'on appelle les points de chaîne. Je ne sais pas comment on récupère ça, mais bon, visiblement, vous en avez. Si vous êtes déjà passé ici, faire un petit coucou. Et du coup, vous pouvez parier un nombre de points de chaîne certains. Ce qui permettra, en tout cas, à Valmaster et à TKR de voir la confiance que l'on a en eux. Et de se dire, tiens, ces salauds, ils parient pas sur moi, bande de bâtards. TKR contre Valmaster, alors évidemment peut-être que la prédiction va durer un peu longtemps puisque là on semble être parti directement pour le match. Mais c'est un match qui va être très important, je m'extirpe. Finale, winner de ces finales de War Warrior. Et une finale Kikoken contre Kikoken. Alors ils auraient pu jouer le jeu lorsqu'on joue en versus symétrique. Souvent on a un petit rituel qui est identique l'un comme l'autre. Ça n'est absolument pas le cas. Il n'y a aucun rituel, ça a commencé de façon très agressive du côté de TKR. Ça a été TKR qui est un joueur agressif, Valmaster qui est un joueur plutôt passif et qui répond aux problèmes en fonction de comment il se pose. Son gros pied, cela dit, mal utilisé, et TKR a énormément l'avantage positionnel comme à la vie. Upside down qui inverse la position. Derrière Bagro Point, il préfère ne rien mettre et tenter. Voilà, l'ouverture de garde pour l'activation du V-Trigger, Stanley Punch. Bagro Point va lui derrière le Hazanshu. Là, il y a un mix-up. Attention, TKR qui a tendance à piffer pas mal et qui n'a pas piffé et qui reprend une ouverture de garde qui va très probablement emmener jusqu'au stun. Oh, le bas moyen pas avancé, mais c'est pas grave. Valmaster se décalera tout de même pour aller ramasser cette chope et prendre ce premier round 3-0 ou 3-2. C'est le seul chose possible. Virtue de garde sèche hein, par Valmaster hein, qui peut prendre ici le point. Très bon spinning bird kick. Et une maîtrise parfaite pour le moment de Val qui va pousser TKR à utiliser Ex Yakuretsu Kaku. À Valmaster, c'est pas trop le genre de joueur à faire des full erreurs. Attention, cela dit, hein, arrière gros pied, ça peut donner stand gros point super lorsque les barres sont chargées. Je rappelle qu'en situation de V-Trigger, tous les coups qui touchent donnent beaucoup de barres de super. Du coup, permettre de charger les barres bien plus que prévu. Bon, là, TKR, lorsqu'il est en position d'avantage, ici, positionnel, bas gros point, Zanchu en counter hit. Ma gueule, ça va amener juste très très loin. Alors qu'il n'a pas, il le pousse. Oh non, il rate la punition alors qu'il l'avait poussé au pif. Ah, sous moyen pied, ça fait pas cross-up. En plus, c'est une sorte de verre raté. TKR, non. Pourquoi t'avais ça, Patrick? Il n'y a pas de barre de Hex derrière. Il y a quand même une chance pour les deux joueurs de remporter ce round. À Zanchu, et c'est cassé niveau du décalage par bas petit pied. Hex, Yakuretsu Kaku, pas mal d'approximation. Et vous avez un 7-0 pour clôturer la prédiction ici. Ils valent cher les points. Ils valent très très cher. 150 000 euros, je vous rappelle, hein, la Capcom Cup, hein, c'est vraiment les Worlds de Street Fighter. C'est vraiment ce qui donne le plus d'argent à la fin de la saison. C'est ce pourquoi tous les joueurs de Street Fighter jouent. C'est ce qui structure aussi l'e-sport de Street Fighter, et c'est ce qui fait que ce jeu est un jeu e-sportif sérieux.
Et il le sera de plus en plus avec Street Fighter 6. Mais seulement les places sont chères et le système qu'a choisi Capcom cette année récompense de façon très locale les joueurs. Le truc c'est que quand localement on a une communauté aussi incroyable que la communauté française de jeux de combat, avec tellement de joueurs talentueux, bah les places sont très très chères. C'est sûr qu'elles valent moins cher au Pérou. Mais que vous voulez, c'est comme ça. Ouais, très très bonne utilisation Spinning Bird Kick par TKR qui va essayer de phaser avec saut bas moyen pied ras du sol. Mais connaît trop la phase Valmaster, il va prendre ce point. Attention au 3-0. Hein. Attention au 3-0. Toujours en bonne optimisation de ses ouvertures. Va-t-il tenter le stun? Oui, avec cette chop. Saut arrière, spinning bird pour charger la barre de super au maximum. Et là, il va essayer de mettre le maximum de dégâts avec Akasaku Atsukaku. Obligé de backdasher hein, quand même pour Valmaster. Ça va être un match compliqué. Hein. Le comeback, je dois bien vous avouer, va être très, 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 très dur. Un partout. TKR qui montre que lorsqu'il est extrêmement agressif, il met Valmaster en indique. En fait, je pense que TKR, c'est le pire joueur que Valmaster peut affronter. Parce qu'en fait, il joue exactement le même perso que lui. Il ne joue pas du tout pareil. Et il a parfois des phases qui, pour certains, diraient n'ont aucun de sens. Mais en fait, j'ai souvent tendance à dire que dans Street, ce qui n'a pas de sens, en a. Parce que tu ne joues pas contre un robot. Tu joues contre un joueur humain avec des sentiments. Et quand tu lui brises ses sentiments, quand tu lui brises son espoir, quand tu lui brises son rythme de jeu, tu le brises aussi. Et TKR, c'est un joueur qui attaque la tête avant d'attaquer le corps. Il est de ceux qui attaquent l'esprit. Esprit, es-tu là ? Pas de pif de la part de Valmaster qui a une défense solide et qui va s'extirper du coin avec un bas moyen point. Bien joué. 2-0 pour le Val. Le chat qui est rempli de 1. Chose qui est, pour le moment, peut-être à raison, puisque Valmaster mène actuellement 2-0 face à TKR. Mais attention, attention, vous savez ce qui s'est passé durant toute cette compétition. Si TKR remporte le moindre set, c'est terminé. Il va gagner 3-2. Et c'est maintenant que tout va se jouer. Il prend moins de phases d'ouverture un peu bête au début du match, Valmaster. Ouais, par contre, le Stand Groupie Crush Counter, là, il va le sentir passer. Son TKR, il sait qu'il a tout à gagner, rien à perdre. Donc, il va y aller. Et attention, hein, TKR, un excellent niveau de jeu derrière hein, pour équilibrer sa prise de risque, parfois très grande. Ouais, le V-Shift va traverser, quel que soit le temps d'activation d'un coup spécial. Mais il a l'avantage positionnel. L'accession de V-Trigger est très bonne. Alors, est-ce qu'il va choisir de le reset à la Skullgirls ou est-ce qu'il va juste le mettre au sol? Non, il joue garanti. Attention, hein, il est sérieux là. Ah, dommage, trop loin pour le bas moyen pied. Mais le stand moyen point est quand même à bonne distance. 1-0. Vous avez vu, hein? Il domine complètement ce round, hein, TKR. Et il a la super de charger. Moi, ça, c'est une mauvaise utilisation du ex. Yakuretsukaku, on a vu qu'il a essayé de faire stand gros pied parce qu'il pensait peut-être qu'il allait backdash ou sauter ou tenter quelque chose comme ça. Dommage, c'est Yakuretsukaku qui est pas sorti. Du coup, il y a un saut moyen pied qui s'est baladé dans le vent alors qu'il avait bien anticipé le Kikoken. Pouah, le confirme du Kikoken, il est bon. Tellement bon, arrière gros pied, confirme en counter, Mitty. Et oui, situation de perfect, les amis, je vous dis, il suffit qu'il prenne un round. Oh là là, il va marcher dessus avec le stomp. Mais le laisse au zéro de vital, il sent overhead fuzzy guard. Et TKR est de nouveau dans la course, il prend le moindre set. C'est 3-0. Et là, tous ceux qui ont répondu TKR commencent à voir le schéma possible se profiler. Le 3-2 comeback d'un TKR qui va frapper fort avec des comebacks improbables et une maîtrise. Pouah, le deuxième hit du bas gros point qui passe. Valmaster qui est déjà dans le coin au début du round. Il s'est mis à peine passé 10 secondes que TKR met une pression de diable. Non, Thierry, tu sautes pas s'il te plaît. Voilà, le stand moyen point décalé qui retouche counter hit. Et TKR qui va propulser Valmaster à deux doigts du stun maintenant. Ouh, il aurait pu oui finish ce stand moyen point. Oh, il est malin, Val. Il n'arrive pas à sortir du camp. En plus, ça, c'est block stun. Oh, c'est vraiment relou. Il peut pas faire retomber la barre de V. Ah, dommage que le gros point soit pas passé. Il y avait un stun juste derrière. Very versus l'offensive. Il va pas lâcher l'offense. Hein. TKR, faut qu'il prenne ce round absolument. Faut pas laisser Valmaster remettre V-Trigger et remettre toute sa magie en activité dans le coin. Il peut pas jouer footsies. Donc il est full nerfé. Il est tel un petit lapin pris au piège. Sten, HK, Crush Counter. Il confirme Yakuretsukaku. Et balle de deux partout.
Ça commence à trembler, hein, tous ceux qui ne croyaient pas en TKR. TKR, il vient sur ce chat, il est super sympa avec tout le monde, et personne dans le chat ne croit en lui. Eh bien, vous allez voir, TKR, il veut dire, vous êtes des chiens, tous ceux là avec le badge 1. Je vais vous faire perdre tous vos points de chaîne, rien à foutre. Ouais. Oh, il a encore repris l'avantage, et il décale bien, le Stone, il a point. Il y a Stone, les amis. La prophétie du 3-2. La prophétie du 3-2, il est là. TKR spécial. TKR. De partout. Ils sont où, les gars, avec le badge 1? La neutralité est totale, évidemment. Et c'est là où c'est dur, parce que tu sais que tu as une qualification pour un tournoi à 150 000 euros, le dernier tournoi Street Fighter 5, le plus important, il y a une Clio à rembourser, il y a 2-2, l'un est dans une mécanique de comeback totale, l'autre est actuellement en confiance, le momentum est du côté de TKR, il n'y a qu'une seule solution, là il faut repasser dans la caractère Select Screen et aller faire pipi. Parce que si Valmaster ne réussit pas à se calmer, c'est ça qui est beau avec les jeux de combat, c'est que tu vois ce match, il transpire le mental. C'est que sans le mental, la puissance n'est rien, tu vois. C'est tout est une question de mental dans les jeux de combat à haut niveau. C'est comme stop the count. C'est comme le tennis, et ça c'est un truc, le 1v1. C'est les seules disciplines qui peuvent te provoquer des trucs comme ça, parce qu'en équipe, il y a toujours quelqu'un pour rattraper ta merde. Là, mon gars... Oh ! Le contre-choix Ménat ! Oh, contre-choix qui lui avait tellement bien réussi à l'UFA. Contre-choix Ménat. De toute façon, ça sera 3-2 pour qui ? On ne sait pas. Attention, grosse Ménat, hein, Valmaster. Très, très grosse Ménat. Mais un TKR qui a toutes ses chances à présent pour aller loin, peut-être, dans ce tournoi. Il a mené ici Ménat jusqu'au coin, lui a fait perdre sa sphère. Mais le rappel, hein, lui permet de mettre petit combo. Il est loin, l'explosion a quand même réussi à toucher. Sous le coup de l'explosion, il attendra le rappel de sphère pour sauter, prendre un tir bague au point. Cela dit, Azen Chou, hein, qui ouvre la garde de façon sèche avec l'activation trigger direct. Et elle n'a pas de pif. Du coup, il faut vite taper et c'est gagné. Juste appuyer sur les boutons. L'entière double touche, gros avantage, hein, pour TKR. Et maintenant, il va falloir garder tous les satellites. C'est gardé. Oh, tranquille, hein. Franchement, la phase était complètement visible. La garde est parfaite, mais il y a beaucoup de dégâts gris, hein, du côté de TKR. Attention à ne pas prendre un vieux bas moyen point. Une sphère qui se balade. Voilà, mieux vaut attendre. En vrai, la super est chargée des deux côtés. Voilà, mieux vaut attendre. On récupère les dégâts gris. Chaque dégât compte. Chaque point de vie compte. Je pense, dans un match comme ça. Il a aucune raison de venir attaquer, TKR, en fait. Non, mais il a aucune raison de venir attaquer. Il s'en bat les couilles. Il peut rester à l'autre bout de l'écran et s'en battre les couilles, en fait. Il peut complètement s'en battre les couilles. Ah, moi, je m'en battrai les couilles, hein. J'irai même pas chercher, hein. Je sais même pas ce que tu viens chercher, les embrouilles. Bats-toi les couilles, casse-toi. Mais casse-toi, frère. Il y a même pas à venir attaquer. Voilà, le chrono, il tourne. C'est toi qui en a attaqué. Ah non, pas la boule. Oh, c'est bon. Il s'est raté juste ici. Il reste 3 secondes. Voilà, casse-toi. Et voilà, balle de match. Le harponneur harponné. Balle de match TKR pour la qualification en grande finale de ce tournoi. Et maintenant, tu joues ton Vatou et tu fais des sauts à l'infini. Un seul saut qui passe et c'est terminé. Tous ceux qui ont parié sont en PLS. Ils risquent de perdre leur totalité de points de chaîne. Ah, le time over tellement bien joué. Oh, attention, il y avait un bas petit point qui n'était pas en entière ici. Un TKR qui se décale. Et qui va manger un peu tout. Ah, il sait encore un Zenshu de ramasser. Ça, c'est pas bon, hein, pour Valmaster. La situation est pas bonne avec un seul moyen point cassé par le bas gros point. Ah, dommage, il rate son Korotsukaku. Ah, l'exécution, hein, toujours un peu à la Franzosich. Parfois, les doigts qui s'en mêlent un peu les pinceaux. Bon, là encore, ouverture de garde sèche. J'aurais pu mettre son gros pied, mais c'est vraiment un petit jump à petit pied. C'est complètement confus. Avec le pif à la relève. Ce match ne veut rien dire. Plus personne ne sait ce qu'il doit faire. Et TKR à la super. Une seule super. Un coup, il appuie sur un bouton. C'est fini, hein, frère. Un seul bouton, TKR, il met super au milieu de tout ça. C'est pas les satellites qui vont changer. Non, tu peux pas faire ça. Pas la super derrière le coup à moi. T'es
TKR, non. Si c'était passé, c'était magnifique. Mais là, ça termine bien en pleine garde. TKR qui met une pression de tous les diables. Il sait qu'il est fou. De toute façon, il a aucune chance à perdre. Encore un Zanchu qui finit par ouvrir la garde. Et maintenant, ça roule. Sten MP, BMK, le Kikoken encore en ouverture de garde. Counter hit, mais malheureusement pas confirmé par un TKR. Toujours dominant. Et l'ouverture de garde, sachez-la. Valmaster qui commence à transpirer du cul. C'est pas possible. Valmaster ne peut pas se faire broyer par TKR. Il a déjà abandonné en Chun-Li. Chun-Li, c'est TKR qui est la meilleure Chun-Li du monde puisqu'il a choisi de counterpick. Bah, gros point, il est bon. Faut ravaler la sphère maintenant, absolument. Ah, on a des avantages positionnels en désavantage à la vie avec un V-Trigger qui risque de pleuvoir sur lui dans quelques instants. Voilà, Zanchu qui est passé en dessous du saut. Heureusement que Valmaster a réussi à s'extirper du coin. Ah, il a perdu son V-Trigger. Ah, ça, c'est pas bon. Il a perdu son V-Trigger. Ah non, les satellites avec le casse-garde. Bien confirmé juste derrière. Y'a là, super. C'est peut-être terminé pour TKR sur un pif de super. Sur le pif de super, il lui retirera toutes ses ressources. Il ne pourra pas tenir ce dernier set. Valmaster remporte cette finale winner, mais perd en Chun-Li. Chun-Li, la meilleure Chun-Li du monde, c'est peut-être TKR. Mais le joueur qui peut gagner les 150 000 actuellement, c'est Valmaster. Quel match ! 3-2 ! Incroyable ! Et une victoire, eh bien, au forceps quand même, sur un TKR qui aurait pu avoir la plus belle victoire du monde. C'est un showman. Il a fait avant gros pied. Super. Moi, je dis chapeau. Rien que pour ça, j'ai envie de le déclarer vainqueur. Mais malheureusement, il a perdu. Et il faut être honnête. Valmaster, voilà, prend les points. GG à vous. GG à vous. Franchement, le mental de Val, bien aidé par les petites folies, quand même encore de TKR, qui sur ce match aurait pu être juste incroyable. Il aurait pu juste être incroyable. Mais voilà, les points sont pris. GG à tous ceux qui ont remporté quelques points. On va se remater quelques actions au magnétoscope, en tout cas. En Chun-Li, Chun-Li, hein, TKR, il s'est lancé. Son match, il s'est profité de son momentum. Hein. Et ça, c'est vraiment très très cool. En tout cas, pour lui, ça a été un beau match. Très très beau match. Vous avez vu, hein, malgré un Valmaster totalement dominant. 2-0, hein. Ah, c'est 2-0, hein, les gars. Bah, malgré ça, il a failli perdre le match. Ah, TKR, tu peux être deg avant gros pied super. Avant gros pied super. Franchement, ça passait. T'étais élu plus grand génie de l'histoire des jeux vidéo. Si ça passe pas, tu passes pour un bouffon et c'est ça qui est terrible. Alors qu'on sait, le génie qu'il y a derrière. En tout cas, ouais, t'es là, t'as la meilleure Chun-Li. Maintenant, Valmaster derrière, il est en grande finale et ça n'est pas terminé. On voit à quel point c'est quand même super chaud. Hein. C'est quand même super chaud. En tout cas, GG à tous ceux qui ont remporté tout ça. 751 000 points de chaîne hein, quand même remportés. Et on va lancer du coup la prochaine prédiction. Donc, prochaine prédiction, qui de Freya ou de Killzyu va remporter le prochain match? Vous avez une minute, parce que je sens que ça va commencer très très vite. N'hésitez pas, évidemment, à tenter. Tous ceux qui auront gagné des points vont pouvoir les défoncer. On pourra voir un peu quel joueur semble là. Sincèrement, très impressionné par les deux joueurs. Hein. Killzyu m'impressionne depuis toujours. Mais j'aime bien voir les outsiders et clairement dans ce tournoi, l'outsider c'est Freya. C'est celui qui arrive en top 4 de ce World Warrior après une saison entière d'étapes de qualification, après une maîtrise ultra impressionnante de Nash. Il aura gagné. Alors non, le gagnant de ce tournoi ne prend pas 150 000 dollars. Il gagne sa qualification pour les Worlds, d'accord ? Où il y aura 150 000 dollars. À gagner. Voilà. Donc c'est une qualification pour le tournoi de 150 000. C'est donc une étape très importante. C'est d'autant plus importante que c'est la dernière qualification française à gagner. Voilà.
Donc, c'est super, super, super important. Ils y sont là. Qu'ils jouent. Oh, qui va jouer R. Mika, en hommage probablement à Luffy. Juste derrière. Incroyable. Cette tentative d'entrée de jeu, c'est-à-dire que face à Nash, il n'a pas confiance en Karine. C'est très 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 intéressant. Vraiment très intéressant. Et c'est vrai que là aussi, hein, Kills You, et là, une assez bonne Ermika. Et Ermika, ça casse les pieds hein, pour Nash. Glissade sous les Sonic Boom. Mix-up dont Nash a assez peu de réponses. Une excellente efficacité du V-Trigger Nadeshiko contre son zoning. Il est cela dit très en retard à la vie. Voilà, Sobat. Et 1-0 pour Freya. Ermika, ça reste un personnage très, très gambling. Waouh, c'est vrai, il joue V-Skill 2, punaise, dans ce match-up là. Il le perd pas au sol, non, il le perd pas au sol. Ok, donc une fois qu'il est chargé, c'est vraiment chargé à fond. Ok, c'est méga cool. Bon, l'utilisation du V-Trigger pour sortir du coin n'impressionne pas Kizu, qui fait peut-être un dash de trop pour mixer. Il voulait se retrouver vraiment à bonne distance de shop. Enfin, les dégâts multiples, hein, vous avez vu sur les sides, donc le V-Skill 2... qui est un power-up de coups spéciaux, voilà, comme les V-Skills peu inspirants. Il y a beaucoup de choses qui inspirent pas beaucoup. Hein. Pas très inspiré de toute façon la plupart des V-Skills dans Street Fighter V. Ce système V-Skill V-Trigger aurait pu être beaucoup plus marqué. Au final, il se retrouve à être un power-up de coups la moitié du temps, que ce soit pour le V-Skill ou pour le V-Trigger. Ou alors, ça remplace un coup spécial qu'il y avait avant, ce qui est un peu tristouné. Du coup... L'aveu d'échec d'ailleurs de ce système, c'est le système de Street Fighter 6 hein, qui mettra les V-Skills directement dans le jeu sans les appeler V-Skills en fait. Hein. Tout le monde a un power-up particulier, une capacité particulière de jeu. Et elle n'est pas précisée plus que ça. Le Denjin de Ryu par exemple, les sprays de Kimberly, etc. etc., etc. Donc... On est là, en tout cas un partout entre les deux, et Kills You qui est en désavantage à la vie mais en avantage positionnel. Bah, on prend en pleine garde, il sait qu'il faut pas trop taper derrière le background. Nash sans sa pile pour sortir. Très bien. Ça c'est on va dire le truc le plus cher mais le plus safe possible pour s'extirper du coin, c'est de faire super. Et en fait quand t'es en temps en avantage à la vie, je trouve ça bizarrement assez intelligent de sa part. Freya, c'est rare de voir ça, autant de ressources engagées, mais ces ressources et cette fuite, il l'a mérité, et du coup il mérite ce set remporté juste ici. GG Freya, qui prend une bonne opportunité et un bon avantage dans ce World Warrior et dans ses phases finales. GG, hein, c'est plutôt très joliment joué. Mais ça n'est pas terminé, hein. Vous le savez, ça n'est qu'un seul set. On va voir maintenant si Kills You va adapter son match. Va adapter un tout petit peu ce qu'il a. Vous êtes 70% à avoir voté pour Kills You, 30% pour Freya. C'est bien Freya actuellement hein, qui domine cet échange dans ce World Warrior. Et ça rebascule sur Karine. Je ne suis pas étonné. Je pense que Kills You fait bien de le tenter lors du premier set. C'est l'avantage aussi que donnent les BO5. Et c'est pour ça que ce jeu, je trouve, est largement meilleur en BO5 qu'il ne l'est en BO3. C'est parce qu'il donne l'avantage aussi de tenter des counterpicks et de faire autre chose. C'est le pourcentage d'argent, c'est totalement vrai, mais bon, ça estime un peu le taux de croyance qu'il y a entre chacune des parties. Ouais, très bon bas moyen point, pas de confirme malheureusement. Freya, tu as un peu plus de mal face à la Karine de Kills You, qui sait qu'il ne doit pas taper derrière les Sonic Boom X. Et même s'il a essayé d'aller attraper un peu les backdash avec ses séries de light kick,
rien n'est apparu. V-Trigger perdu hein, des deux côtés. Hein, Zhu qui n'a pas et qui n'aura peut-être pas l'occasion de les utiliser. En tout cas, si jamais ouais, il réussit. Voilà, ouvrir la garde là-dessus. Ah, il pourrait peut-être le tuer. Non, il lui a juste donné le V-Trigger. Ça tue pas et c'est sympa. Oh, d'accord, Moonsault. Très bien. Moonsault décalé. Ah, ben là, Freya, il a. Il a fait là une très bonne opération. Très très bonne opération en prenant ce set. Killzyu n'a pas utilisé son V-Trigger alors qu'il était dans la fenêtre de comeback. Il a utilisé très peu de ressources de Hex finalement pour prendre le round. Très bien parti là-dessus. Hein. Et target sight en étant avec Sonic Hex. Mais malgré ça, toujours belle utilisation du V-Skill de Nash, poussant Killzyu à piffer un tout petit peu devant, derrière, c'est devant. Ouais, même s'il y avait Shift, il y a encore feinte hein, derrière. Attention hein, à toutes ces téléportations ou ces glissades, hein, ce dash spécial de Nash en V-Trigger, qui certes peut permettre de mixer au corps à corps. Ouais, il l'utilise vraiment bien, hein, il l'utilise vraiment super bien. Hein, tel... off. Ouais, ça par contre, Tenko... Et derrière Gurenken, t'as beau utiliser tout bien, ça fait tellement mal, c'est juste abusé. C'est façon Drive Rush un peu dans Street Fighter 6. On exprime un peu pas mal de choses, pas mal de liberté de mouvement. On rend hommage à Tekken 8 hein, qui va utiliser lui aussi un dash cancel, exactement comme Street Fighter 6. Le monde dira qu'ils ont copié. La vérité est tout autre, bien entendu. Allez, Sonic Boom X et Sonic encore va taper très fort avec Killzyu maintenant qui est ultra attentif sur les jump-in de Freya. Très bonne activation V-Trigger sur le bas moyen pied. Il a essayé de mitty, ça n'a pas feinté. Par contre, ouais, j'ai l'impression que le dash spécial est plus rapide que le dash normal et Killzyu a du mal à réagir parce qu'il sait que derrière cette glissade, il peut aussi choisir de taper Dunk ou choisir de taper et bien Somersault. Préfère pas trop prendre de risques, Killzyu. Sachant qu'il y a la super en plus en face. Pas d'ouverture de garde. Moonsault est bien gardé. Et là, il a mis un gros point. Oh non, il n'a pas mixé. Il a eu peur d'un pif. Il avait tellement de barres de super. Side pas safe. Hop, hop, et hop. Un partout. Finalement, c'est avec de la patience que Killzyu remporte ce deuxième set. Il a juste attendu que Freya essaye de créer du jeu et créer des situations unsafe. Pour pouvoir remporter le coup. Donc c'est vraiment assez sympa. Voir comment Killzyu s'adapte en patience. Ouais, t'as baissé ta garde évidemment. Le Resen A casse la garde. On est sur le top 4 du tournoi. Et là c'est un match de loser bracket. Loser semi. Loser semi hein, indique le top 4. Qui est éliminatoire. Un partout, donc ça y est, ça va sûrement finir en 3-2. Il n'y a jamais eu de 3-1 encore dans cette compétition. On témoigne peut-être ce Tenko dans le vent. Mal timé hein, entre le Duck et le Tenko. Il avait pourtant le bas moyen pied passé. Oh d'accord, Shooter Dash en Mickey, c'est plutôt pas mal. Ouais, V-Reversal sur l'infini du Moonsault X qui est tellement lent. Voilà, il y a tellement de dégâts gris. Pouah, les dégâts qu'il a ramassés sur la shop là, c'est juste violent. Par contre, remporter ce match après avoir pris tous ces dégâts serait pas mal. Un petit jump shop, ça tue. Génie. Tu vois, là, Killzyu est très patient et très attentif. Faire saut vide à ce moment-là, c'est bait son attention. Donc c'était ultra bien joué parce que on sait qu'il allait pas piffer, il allait pas bourrer, il allait juste attendre que le coup arrive en garde et s'attendait très probablement à une phase sauvage shop. Sachant que en fait cette shop est un tic trop sur le Sonic Boom qui arrive derrière. Mais quand tu vois un jump in, t'as pas tendance à te dire il me fait tic trop, tu vois. C'est super intelligent hein, ce qu'a fait Freya. Du coup ça lui donne le point, utilisation du V-Trigger. Ouais, derrière le side, tu peux pas punir, hein. Tu penses que c'est punissable, mais non, oh, la face. Cela dit, c'est un devant-devant, donc pas de problème, il y a juste un V-Reversal, il en met même un deuxième, de toute façon, il a la super, il sait qu'il ouvre la garde, et là, c'est round gagné avec un Tenko. Oh, par contre, il a privé skill, ça regagne un tout petit peu de vie, c'était un moyen point, c'est re-V-Reversal, le troisième du match, avec une barre grise tellement importante, qu'elle ferait frémir d'envie n'importe quelle... Je ne terminerai pas cette phrase. Un partout. Balle au centre et la barre de super bien chargée pour Killzyu. Ah, tu feras encore Tenko. Et derrière, il y a
Le V-Skill qui remet tellement bien. La barre de V bien chargée pour un Kidzu qui est pourtant très en avance à la vie. Ouf. Ouais, sur la relevée, il est encore très patient. Il ne bouge pas. Il juste m'échoppe sur la première frame de relevée de son adversaire. Les triggers va évidemment être là pour faire les comebacks devant derrière. Hein. Vous avez vu hein, sur le Nibazuka. Il n'effraie absolument pas Kizu qui continue de V-Reversal sur les moindres moulsault X qu'il prend en garde. Et là, il est très, très, très en avance. Très, très, très en avance. 2 à 1 pour Kizu, dont la formule Karine semble fonctionner. Mais surtout avec une patience. Une patience. Il est là, il attend. Moonsault X, V-Reversal. Les attaques sight, on attend de voir s'il fait V-Trigger. Les sauts, on préfère mettre la garde. On déchoppe pas trop parce qu'on sait qu'on risque de prendre des counter-hits derrière. Donc évidemment, on sait que Nash est un personnage très très rush down. Surtout une fois le V-Trigger activé. C'est important d'être patient et calme quand on joue contre des persos comme ça. Alors attention, hein, cela dit, tu peux toujours voilà, faire ça. Voilà, c'est bien, ben, Freya qui s'adapte vachement bien. Sonic Boom Sight, Sonic Boom Sight, Sonic Boom Sight, hein, c'est casse-couille. Hein. Vous savez, le Sight en garde, Karine, si c'est bout du pied, elle va pas avoir d'argument. Elle a pas de Dai Shoryu pour aller punir ça. Donc, c'est plutôt bien hein, de repartir sur un plan de jeu très ferme. Après, on sait que Freya va gagner de toute façon ce match. Parce que c'est toujours un 3-2 hein, qui décide de l'issue des matchs. Mais, outre le fait que l'issue du match soit déjà connue. C'est intéressant de voir comment est-ce qu'elle arrive avec une belle adaptation dans le match-up. Ah, Freya il joue vraiment bien hein. Il est reparti sur quelque chose de plus carré, plus saison 1 et il feinte beaucoup les Sonic Boom trop près hein, cela dit hein, pour faire ces feintes là. Et Karine elle met dans le coin tellement rapidement le saut là, c'est très 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 mauvais hein. Faut surtout pas sauter dans ces moments là. Oh, il l'attendait tellement ici Kizu, attention à pas lui donner une balle de match quand même. Normalement le 2-2 est garanti hein, si on en prend le théorème des World Warriors. Mais vous savez, toute règle a une exception. Et là actuellement c'est balle de match pour Kizu, ouais, c'est avec énormément de pression, une barre de super chargée hein, que Freya va devoir se sortir de là. Il avait super bien joué le round d'avant, ouverture de garde sur Bapti Point, ça va l'emmener jusqu'au coin. Ah, attention parce que là elle fait son office, ouais, là le saut est déjà un peu mieux joué parce que elle était trop proche, donc ça allait lui permettre de sortir du coin même s'il allait prendre des coups. C'est ce qu'on appelle un sacrifice hit, il n'a pas de quoi V-Reversal parce qu'il n'a pas perdu assez de vie. Et ça, ça fout le guac hein, quand même hein, de se dire qu'il n'a pas perdu assez de vie, attention à pas trop consommer non plus de barre de Hex. Durant cette partie, très bon BMK. Il a anticipé le Sonic Boom. Il est passé au-dessus avec un saut moyen pied. Ça commence à s'emballer. Il y a un V-Trigger qui est là, pas gros point. Il n'y a pas de V-Trigger. Ah, le bas gros point, pas de V-Trigger. Et du coup, le V-Trigger il passe en garde. Et qu'il joue, il échappe. Et il est toujours patient. Et là, c'est, on sent que Freya n'a pas trop de solutions. Essaye de trouver des trucs. Mais il se précipite vers un Killzou qui l'attend. Et qui a set up le piège. Killzou remporte ce match 3 à 1. Merde, j'allais dire 3 à 2. Et c'est le premier 3-1 de l'histoire de ce tournoi. GG Freya. Il est tombé dans le rythme et le piège de Killzou qui n'a pas perdu un seul match à partir du moment où il a joué Karine. Le voici maintenant dans le top 3 de ce tournoi. J'entends des bruits en bas, ce qui est probablement la preuve que des gens sont rentrés pour éviter d'incommoder, évidemment, la plupart de ma famille. Je vais fermer la porte parce que j'ai tendance à pas mal gueuler. Alors, contre qui va jouer Killzou en final loser? Si vous avez suivi évidemment la finale winner, vous le savez probablement. Il s'agit de la meilleure Chun-Li du monde, TKR, qui sera son adversaire. On le rappelle tout de même que c'est en perdant, il me semble, contre Valmaster, que Killzou s'est retrouvé en loser. Il est donc passé à deux doigts de la mort face à une Chun-Li. Voyons voir s'il passera aussi à deux doigts ici face à une autre. Un autre match-up 7-3. TKR contre Killzou. Si vous en croyez évidemment TKR,
choisir la réponse. Alors attends, c'est Kizu qui a gagné. Très bien, et on va lancer une autre prédiction. Si vous en croyez, évidemment, donc là, tout le monde essaye de vous influencer sur le chat. N'écoutez ni Kizu ni TKR, ils sont tous évidemment de mauvaise foi. En tout cas, le match-up Cell 3, il apparaissait sur les prédictions, puisque 70% étaient pour Kizu. Qui va remporter ce match, TKR ou Kizu? Vous avez 2 minutes pour choisir évidemment le résultat. L'un ira en grande finale affronter Valmaster, TKR la revanche. L'autre, ou Kizu la revanche, deux revanchards hein, quelque part. L'autre ira eh bien, jouer à la bêta de Street Fighter 6. C'est le destin qui les attend. Voici la prédiction, vous avez 2 minutes hein, pour parier en nombre de points de chaîne. Et on sent qu'à chaque fois, eh bien, TKR est extrêmement soutenu par le public. Évidemment, dernière chance hein, pour l'un comme pour l'autre de se qualifier pour la Capcom Cup. À moins qu'il trouve un financement exceptionnel pour aller à Los Angeles pour participer au tournoi le plus dur du monde, les La Chance Qualifier. Ce qui est possible, hein. Moi, je serais prêt à parier des points de chaîne pour vous envoyer là-bas. Malheureusement, ils ne sont pas convertibles en argent réel. Quel dommage. Si seulement ces points de chaîne valaient quelque chose. Oula, ça devient de plus en plus serré, là. Qui c'est les riches, là, qui parient sur TKR? C'est l'argent du Qatar, ça. C'est l'argent du Qatar. Il y a le financement du Qatar qui commence à faire remonter TKR dans la tier list. Il reste plus que 30 secondes. Et ça semble être 50-50 d'un point de vue des prédictions. Pouah, TKR qui passe juste devant. Presque 200 000 face à 200 000. Absolument incroyable. 206 000 face à 197 000. Les points de chaîne qui vont en faveur de TKR. Je rappelle, Kizu qui a déjà perdu contre une Chun-Li. Mais c'est le match-up, vous comprenez ? Kizu qui remontait à 250 000, je sais pas qui a claqué son PEL en point de chaîne. 300 000 pour Kizu, mais qui a fait ça? Qui a mis 50 000 points de chaîne sur Kizu? Et TKR qui se défend, c'est terminé dans 2 secondes. Finito. Finito. On peut voir qui a parié sur qui, évidemment, sur ce chat. Et si on regarde un tout petit peu la prédiction... 48% d'argent sur TKR, 52% sur Kizu, donc c'est du 50-50. Mais si on regarde au nombre de gens qui ont parié, 63 personnes ont parié sur TKR contre 45 contre Kizu. C'est-à-dire que Kizu est représenté par les riches du chat, très probablement des joueurs de League of Legends ou de PES. Quoi qu'il arrive, vous avez... le résultat, c'est parti mesdames et messieurs, tout va se jouer là, TKR contre Kizu, qui ira jouer ici? On apprendra que le pouvoir d'achat est aux joueurs de Karine, bien entendu. Ça, c'est une surprise pour personne. Ce match est extrêmement important, il se joue aussi en BO5. Maintenant que la malédiction est levée sur le 3-0 ou le 3-1, TKR doit se concentrer parce que là, il est en train de prendre un Karine perfect. Le fameux Karine Perfect, hein, obligatoire, qui... Oh pop, 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 aurait pu arriver, c'est avant que ce gros point ne lance. TKR fou au zéro de vital. Va-t-il revenir du Diablo Vauvert sur Kizu, qui a juste besoin de reculer. Oh, il a pris le bas petit point. Attention au stun. Oh, il laisse pas mes gros points. Mais il laisse pas mes gros points avec rien derrière. C'est pas possible. Reversal ne tue pas. Il est encore sur le coin. Pif ou pas pif, y a pas de pif. Reversal, il a encore une chance parce qu'il va charger la super. Ah, y a mes super, y a rien. Le gros point chargé, pile poil la super. TKR a pu faire le comeback de la vie. Mais à la base, malheureusement, ça n'est pas le cas. À la base, il se fera offrir un abonnement à la chaîne de Sardoche, bien entendu, sur Twitch. 1-0 pour Kizu. Mais TKR, dont on a vu la possibilité de comeback légendaire... Il reste quand même très prudent. Hein. Les deux qui ont la super. V-Trigger activé en premier par TKR. Ouais, Gurenken, parfait. Gurenken met la super direct. Kase no kata. 1-0 pour Kizu. Je vous rappelle, match-up 7-3 en faveur de Chun-Li, selon ses dires. L'avantage aux joueurs de League of Legends actuellement.
Hommage évidemment à tous les joueurs de League of Legends du chat. Un match qui va être extrêmement serré. Mais Killzou qui veut sa revanche. Face à Valmaster, je vous rappelle que rien n'est joué. Et que Val a battu déjà les deux joueurs. Grâce certes à un Gunter Pick Menat pour TKR. Et grâce juste à du Foot 6 Game juste avant. Ouais, très bonne utilisation ici du V-Trigger. TKR qui utilise V-Trigger quand même très tôt dans la game. Mais bon bah écoute, si ça passe. Pouah, le stun gros au pied, le stun moyen point, il confirme après. Décalage shop, merci, il aura même pas besoin du stun pour prendre ce round. C'est ouf comme ils se rendent les coups l'un l'autre. Ce match est très équilibré. Alors je sais que Killzou dira que c'est un match difficile parce que oui, bah Chun-Li Hot Foot 6 très clairement Karine. Mais malgré ça, Karine a de bonnes possibilités de whiff punish, hein, Chun-Li. Bon, il a piffé, c'était tellement cramé. Bon, du coup, il évitera le stun grâce à ce pif. Ok, l'Upside Down Kick est très mal utilisé là parce qu'il a eu faire juste perdre le round. Il n'a pas piffé une deuxième fois, cela dit, il préfère se décaler pour aller choper. Ce que Killzou a immédiatement couvert avec stun moyen pied. Round extrêmement important. Très très important. 2-0 ou 1-1. Ça n'est pas du tout le même score. Merci Johan Verdier. Ça a vraiment très intéressant tes commentaires. Hein. Franchement, j'aurais pas deviné que 2-0 ou 1-1, c'était pas le même score si t'avais pas été là pour le dire. Franchement, n'hésitez pas à subber la chaîne. Hein. C'est vraiment très important. Très bon stun moyen point. Tenko avec un avantage positionnel et un avantage à la vie énorme de Killzou qui rouvre la garde ici et qui va mettre stun. 2-0. 2-0, ma gueule. On rappelle, hein, 7-3 pour Chun-Li. On le rappelle, merci Master Boom, merci Yom. Ah là, il est en train de s'entraîner contre la TKR, doit y croire. Il faut y croire. On rappelle hein, que la totalité des joueurs de League of Legends ont parié un skin Fortnite, c'est-à-dire 250€, que Killzou allait gagner. Ça n'est, cela dit, pas joué, je me suis trompé de scène. Ah, il est cela dit bien confiant hein. J'ai l'impression hein, Killzou TKR a du mal à poser son jeu. Killzou est extrêmement agressif. Lui qui sait jouer hein, calme. Là il est agressif contre TKR. Ça marche bien parce que lui aussi il est. Allez, le pif anticipé. Il est en V-Trigger et il reset pour trouver le stun. Oui, la Skullgirls, la TKR spéciale, reset shop au milieu du combo. Parfaitement utilisé, belle gestion des barres. La barre de stun, on voit bien que la barre de stun, si t'arrêtes le combo là, la shop met stun. Belle gestion des barres de super, des ressources, voilà. Le moment était parfait pour faire ce reset. Le moment est parfait pour manger un Karine Perfect aussi. Attention à pas prendre une vieille ouverture de garde. Ouais, il a aussi activé V-Trigger sur X et Kuratsukaku. C'est beaucoup de ressources utilisées. Et là, il reste dans le coin. Bien joué hein, sur le début de duck du Tenko. Il y a un stun moyen point qui a accueilli Killzou. Killzou qui a, cela dit, beaucoup encore de V-Shift, V-Reversal dans le tiroir. Et une super avec le V-Trigger qui va mourir comme peau de chagrin juste là. Enfin, ça va être difficile de revenir. Ouais. Très très difficile, counter hit sur bas petit point après avoir tenté de retaper derrière Yakuratsu Kaku X. Balle de match. Balle de match les petits amis. Merci beaucoup Quavet. Balle de match. Au secours. TKR qui est maintenant sous une pression de tous les dieux. Lui qui était en finale winner bracket pourrait se faire éliminer au top 3 de cette compétition. Pouf. Bas petit point, bas moyen point. Et on retourne vers X Yakuratsu Kaku. Il est en avantage TKR, bien joué, les ressources sont maîtrisées, trop loin pour placer ce Tenko. Mais la balayette lui permet d'activer V-Trigger de façon assez optimale. Ouais, Gurenken et un pif encore bouffé. Alors est-ce que c'est le pif salutaire? Parce que ça lui donne à la fois la sortie du coin, mais aussi la possibilité de mettre V-Trigger. François avec sa couronne, il était fou. Et il débloque le compteur TKR. 2 à 1, tout est à refaire pour Killzou. Tout ceci part d'un ex Spinning Bird kick. Alors peut-être le joueur français peut-il come back, peut-il pousser Valmaster à rejouer un Chun-Li en finale.
C'est ça qu'on veut, hein. Ouais, très bon Azanshu, hein. Activation V-Trigger. On sait, des fois, les Azanshu comme ça, décalés, t'as tendance à vouloir taper, tu penses que tu peux en tier. C'est un peu, tu sens que c'est un saut ou un truc, ou un instant Ria Koresukaku. En fait, c'est Azanshu. Et du coup, la garde, elle saute. C'est ultra, ultra perturbant. Non, Bagro point, il sort du coin. Ici, Kills You, c'est pas mal parce que ça va faire mourir le V-Trigger. L'Upside Down Kick, en revanche, celui-là est mal dosé, mal jugé. Faut dire que Karine recule. La Proximity Guard ne s'active pas dès le start-up de l'Upside Down Kick. Ce qui permet toujours de faire un pas en arrière et de s'offrir une nouvelle balle de match avec la barre de super chargée. Kills You ou TKR? Est-ce que l'argent de League of Legends battra l'argent du Qatar? C'est ce que l'on se demande. C'est les enjeux, hein, ici. Hein. Dans ce match, ça joue très footsies pour le moment. Attention au jump-in TKR. Pour le moment, pas d'ouverture de garde sèche. On tape juste dans la garde. Ouais. Bah après, le stand gros point, il a décalé bas gros point. C'est malin derrière le stand gros point. Tu te dis, il a rien. Donc, on peut venir taper. Attention, pas l'argent. Il a perdu complètement le milieu de l'écran. Là, il se retrouve dans le coin. C'est pas bon. Heureusement qu'il rate son stand. Il confirme stand moyen point. Gurenken tout de même. Mais il choisit de pas mettre la super pour redécaler la chop. Ah, il a donné une chance. C'est quoi ça? La relevé avec ce spinning bird. Mais tu te fous de ma gueule. C'est un faux de confirme. Voilà, il lui a rendu le pif. Je rappelle qu'il y a toujours balle de match. Hein, et les deux ont tué leur super. Pas de confirme de bas moyen pied. Pas de confirme de stand moyen point. Kills You qui veut pas gagner la partie et qui redonne chance après chance à TKR dans ce match. Une seule ouverture, c'est terminé. Je vous rappelle, hein, je vous rappelle la super chargée. Bas 5, les bas moyens pieds de Chun-Li, une sur strike. Oh, il y avait un bas moyen pied qui whiffé là. Il est toujours en avantage à la vie. Kills You qui fait retomber un tout petit peu la tension. Mais TKR qui veut le jouer en foot 6 pur. En foot 6 pur à l'ancienne. Tous mes bazars. Non, pas toi. Pas toi, Zinedine. Pas comme ça. Pas le confirme en garde. Non. Terrible désillusion. Et chute incroyable du joueur français TKR, qui sera quand même allé au top 3 de ce tournoi. C'est Kills You qui remporte le tournoi. GG à tous ceux qui avaient pris ça et qui va tenter sa chance en grande finale de ce tournoi. Une grande finale qui l'obligera à battre par deux fois Valmaster pour une qualification pour la Capcom Cup, pour les Worlds de Street Fighter. On revoit quelques actions au magnétoscope alors que j'ai clairement besoin de sucre. Tant c'est fatigant. TKR, tu nous as fait rêver. Je vous jure que mon HP était en hitbox sur mon écran. On te croit, TKR, on te croit. En tout cas, pour l'ensemble de ceux qui avaient voté 1, le HP, il était en hit. C'est de la faute du lag. On n'en doutera pas. Quoi qu'il arrive, peut-être qu'un jour des documents secrets prouveront le contraire. Mais en attendant, ce gros point restera. En tout cas, ils ont peut-être pas touché en hit Kills You, mais il nous a atteint en plein cœur. Sache-le. Finale, les petits amis. Finale absolue, TKR, Kills You, c'était du 50-50. Alors, je sais pas ce que j'ai branlé avec mes prédictions. C'est quoi ces prédictions-là? Hein? Commencez la prédiction, très bien. C'est la finale, les petits amis, grande finale. Alors, attention, hein, sachant que je vous demande winner. Alors, c'est le premier BO. Hein. Je ne vous demande pas le vainqueur de la finale. Peut-être si. Celui du premier BO5, car je vous rappelle que Kizu doit en gagner 2 pour remporter ça. Est-ce que c'est Valmaster ou est-ce que c'est Kizu? Le premier BO5, bien entendu, voilà, hop, vous êtes dans mon Genjutsu. Vous pouvez y aller et tout va se jouer maintenant là. Qui va se
gargarisé d'être le dernier joueur français qualifié pour la Capcom Cup qui va tenter de participer à un tournoi avec un prize pool de 250 000 dollars avec plus de 100 000 dollars pour le premier, celui qui remportera ce tournoi qui ira aux États-Unis. Qui ira rejouer à la bêta de Street Fighter 6 juste après. Est-ce Valentin Petit, French level is too high. J'ai pas le niveau en anglais pour pouvoir traduire ce qu'il a voulu dire. C'est celui qui s'est classé premier des rankings de la saison de ces World Warriors, je vous rappelle. Ou est-ce que c'est Kills You, classé 5ème, Karin is no extremely low tier. So it's a shame if I win. On a bracket full of top tier. La bonne foi à la française. La Clio ou le joueur de Winning Eleven, on rappelle quand même. On rappelle que c'est un joueur de eFootball qui est en finale. Ça veut quand même tout dire sur le niveau que vous pouvez gagner à Street Fighter en jouant à FIFA ou eFootball. Merci Backbone Code pour le sub. Un sub réel. Et c'est des Mouda Mouda. Waouh, le premier BO5 actuellement donne Val Masturbe vainqueur à 313 points de chaîne. Bizarrement, quand c'est pour les blancs, ça donne de l'argent. GG. Bravo le chat. Bravo. Belle valeur. Très belle valeur là. Belle valeur que vous défendez ici. Ça c'est beau. C'est ça que vous voulez retenir du coup. C'est ça que vous voulez montrer. Vous, la France. C'est joli. C'est pour la Clio qu'on donne. Et pour le sponsor YouPorn. C'est vrai. Ah là 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 là. En tout cas, la grande finale va être extrêmement serrée. C'est vrai qu'il y a une Clio à rembourser. C'est vrai qu'il y a une Clio à rembourser, putain. Il s'est fait désosser sa Clio, hein. C'est quand même un truc de ouf. Pauvre Valmaster. Il n'y avait rien demandé. La cagnotte. Petite cagnotte pour réparer la Clio de Valmaster. Ils ont même pris le volant. Qui vole le volant d'une voiture? D'une Clio? Qui vole un volant de Clio? Comment on... Tu vois, tu voles les roues, je sais pas, tu mets sur des batteries la voiture. À la limite, tu prends la banquette arrière. Mais qui prend le volant? Franchement, comment tu repars en désossant une bagnole, en prenant le volant? Ça se fait pas. C'est chaud. Laisse-lui au moins une chance, quoi. Putain, c'est comme de prendre, c'est juste le pommeau du levier de vitesse qui fait ça, bordel de merde. Y a plus aucun respect chez les voleurs. Prends pas le volant, frère. Vas-y, prends tout ce que tu veux, mais pas le volant. Au moins que tu puisses ramener la voiture quelque part. Laisse au moins le siège avant et le volant, quoi. Tu puisses au moins ramener la bagnole au garage. Qui prend le volant, putain, les gars? C'est chaud. Ça se fait pas. Moi, je dis ça se fait pas. En attendant, 77% d'argent pour Valmaster, 23% pour Killzoo. Mais attention, hein, en termes de votants, c'est 46 votants d'un côté, 25 votants de l'autre. Ce qui veut dire qu'il y a très peu de votants de points de chaîne. Qu'en fait, ce système est très engageant, mais avec peu de personnes. C'est bien, vous avez raison. Les jeux de points de chaîne, c'est dangereux. C'est Peggy 18. Pendant ce temps, le monde entier joue à Street Fighter 6. Mais nous, on va assister à une finale exceptionnelle dans quelques instants. Et là, je suis dubitatif et je me dis qu'on va terminer à 18h. Donc, c'est bien 4 heures de prévu. Et que juste après, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a le temps de faire un tournoi Street Fighter 6? Est-ce qu'on n'a pas le temps? C'est la véritable question, je suis pas sûr. Quoi qu'il arrive, c'est fait!
Mesdames et messieurs, la grande finale de ce tournoi World Warrior pour se qualifier au World The Street Fighter. Valmaster contre Killzew. Un premier match qui avait donné Valmaster en vainqueur, mais de très 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 près. Un deuxième affrontement avec Chun-Li qui a donné Killzew vainqueur. Et un volant à la clé, bien entendu. Une belle domination de Killzew hein, sur ce début de match. Camival dans le coin, une situation assez chiante hein, pour Chun-Li. Même si c'est vrai que les footsies sont meilleurs. C'est jamais très agréable d'être poussé comme ça dans ces retranchements. Hein. Tu vois, le V-Trigger est là, il est menaçant, mais finalement, t'as pas trop l'avantage, ni à l'énergie, ni à la position. Et ouais, et le V-Trigger, eh bien, n'est quasiment pas intervenu. N'a quasiment pas été fondamental dans cette partie. Killzew a juste géré son avantage positionnel. Il l'a fait reculer dans les cordes et ensuite, il a gagné le round. Juste en étant positionné parfaitement. Certes, il doit souffrir, mais je pense que Killzew doit largement plus apprécier de jouer comme ça face à Valmaster que de jouer contre un TKR qui va faire soit Yakuretsu Kaku, une center leg et dash avant à petit point ou gros point super en garde, tu vois. C'est... Il est moins imprévisible Valmaster en vrai. Alors ça le rend très très fort, mais vous savez, on a déjà programmé des IA dans les jeux de combat et je vous avais déjà parlé, j'ai fait tout un blablaston sur les IA des jeux de combat. Pourquoi est-ce qu'une IA dans les jeux de combat c'est un peu débile? Parce qu'en fait une IA dans les jeux de combat n'attaquerait jamais. Attaquer c'est prendre un risque tout le temps. Et c'est vrai qu'à partir du moment où des coups sortent en plus de 16 frames, normalement l'être humain est censé pouvoir réagir quasiment tout le temps à tous ces coups-là. Et les punir. Bien joué, Valmaster sur le deuxième round. Et loin d'être un robot, hein, on sent qu'il est humain, qu'il réagit même de façon humaine. Donc, le mental, c'est ce qui fait la véritable différence. Ça, aucune intelligence artificielle ne pourra jamais le simuler. C'est ce qui fait que c'est toujours aussi intéressant, même si les IA sont très fortes, de jouer et aux échecs, au Go, à StarCraft, à Street, à Pokémon. Parce que le mental, ça compte beaucoup. Allez, avec ce Spinning Bird, on sent qu'il est mis dans ses derniers retranchements. Et alors, j'allais dire, alors qu'il prend les Azanchu de TKR, il les prend pas de Valmaster. Mais Valmaster en a décalé un deuxième. Avantage positionnel, il aurait dû décaler Chop. Il l'a pas fait! Et la Chop, ce coup-ci est puni. Premier point pour Killzew. C'est pas gagné. Moi, je vous le dis, c'est pas gagné pour Valmaster. Merci beaucoup pour les tears. Je sais même pas ce que c'est, mais ça doit être génial. Merci, Kellyanne. 1-0 et un Killzew très concentré. On l'a senti ultra propre dans son match. Valmaster aussi hein, joue propre. Il y a eu un Spinning Bird X un peu imprévisible, c'est tout. Mais le reste est super, super lucide. Ouais, Stan gros pied, c'est encore en full whiff. Ah, il a bien poussé. L'avant gros pied, il a reculé. Il a choisi de reculer, hein. Il a raison de choisir de reculer. Pouah, cross-up moyen pied. Ouah, c'est terrible. C'est terrible, c'est affreux. Sortir de là. Il est certes dans le coin, Valmaster, mais il est tellement en avance à la vie. Et ouais, ouais. Chaque fois, cette énergie perdue. Hein, par la Karine de Killzew. Tu sens que ça file. Hein. Non, tous les FR ne jouent pas, Luc. Il reste encore un espoir, je vous assure. Ouais, c'était un gros point, ouais, il décale. T'as, c'est horrible hein, quand tu prends des trucs comme ça. C'est tellement affreux. Les bons gros décalages, moyen point. Avec ici, ouais, il a mis tous les Mujin Kaku possibles. BMP, counter, BMK, confirme. Stun ou pas stun? C'est pas stun. Valmaster qui a une petite chance de revenir peut-être. Ouais, il a pris quand même le bas gros point en anti cross-up. De toute façon, là, il n'y avait pas... C'est une fois que t'es mis dans le coin avec Karine, il n'y a pas masse de solutions. Ce que TKR faisait... Ce qu'il avait tendance à faire à Zanchu, hein, même si t'es dans le coin, ou upside down kick. Mais à chaque fois, c'est toujours très très risqué. Un pas en arrière de Karine, soit elle entière, soit elle se décale de l'upside down kick. On voit que prendre l'avance,
est vraiment très important. Et là, il utilise justement une barre de Hex très tôt, Valmaster, pour être sûr de prendre l'avance, moitié de barre d'avance. Hein. C'est ouf, dans certains jeux de combat, ça paraîtrait énorme. Dans Street Fighter V, c'est quasiment rien, surtout avec des persos comme ça, gavés de ressources, qui sont capables de faire très mal. Tu vois, il est revenu en une phase, Kizu. Et en plus, il a l'avantage positionnel. Et ça, c'est pas bon. Ouh, il était risqué, ce Hex, Yakuretsukaku. Je pense qu'il voulait faire activation ou pas activation, mais trigger. Et là, finalement, bah, il a complètement raison, parce que le fait de l'envoyer et de rouvrir la garde derrière, bah, ça donne un V-trigger surpuissant. VT sur balayé. Et la balayette qui touche en hit, c'est une chance pour Kizu qui va tenter de passer sa super Gurenken. Non, bien arrêté par Valmaster qui a pas tué. Cela dit, sur un petit pied bas moyen pied trop loin, faut whiff finish. Oh d'accord, ok, il allait servir donc de whiff finish, il allait punir à la chop. Un partout entre Val et Kizu, c'est très serré. Quel niveau de jeu hein. Quel niveau de jeu, ça joue vraiment tout en full défense et full footsies. C'est propre, hein, c'est le Street Fighter qu'on aime. Hein. C'est le Street Fighter qu'on aime. Alors évidemment, c'est moins fou et on a moins l'occasion de rigoler que dans des matchs où ça fait ça a des prises de décision, on va dire, plus que risquées. Mais par contre, on voit un niveau de jeu exceptionnel. Hein. C'est vraiment... franchement, tu me dis... me dis là c'est Uryo versus Mago, tu vois, je te crois tous les jours, c'est ça qui est ouf quoi. C'est malade hein, sur toute la période Street Fighter V, le niveau européen, mais je suis tellement fier de vous en fait. Vous êtes tellement arrivé haut dans le niveau de jeu de Street Fighter. Et ensuite, je sais que pour grinder ça devient de plus en plus difficile de devenir encore plus fort et dominant, mais... Ah, vous pouvez être fier de vous, vous avez vraiment taffé. Hein, ça, niveau de jeu pareil, c'est... Genre, il y a encore 10 ans, c'était inespéré. Hein, inespéré. Impressionnant. Allez, l'activation des triggers en hit sur un bas moyen pied un peu chanceux. Valmaster qui choisit d'inverser la position, ça c'est souvent sa phase. Hein. Plutôt que de reset décalage shop comme pouvait le faire TKR, lui préfère avoir une position avantageuse plutôt que de tenter un 50-50 bizarre. C'est souvent ce qu'il fait. Mais ça donne quand même l'avantage à Kizu qui a tout simplement eu un tellement d'avance à la vie qu'il l'a pas perdu. Valmaster avec la super chargée est toujours encore dans le coin. Deux barres de Hex utilisées pour Hex Kikoken, Hex Yakuretsukaku, c'est énorme. Mais ça n'est pas... Eh bien, ça, c'est complètement worse, je voulais dire. Tant là, la sortie du coin, plus les dégâts, plus le regrind qu'il y a après sont bons. Ça va jouer l'égalité... Même si... Oh, il bat V-Trigger sur un Gurenken très mal utilisé. Il a pur footsies, pur whiff punish. Hop, VT, gros point punition. Et Valmaster qui est normalement en excellente position pour remettre un bas petit point, bas moyen pied. Yakuretsukaku sur un réflexe de dash avant. La lucidité, le réflexe, la punition. Juste la vision de jeu. Les bases, les fondamentaux des jeux de combat. Pas juste la bourrance et le combo 100%. Les réflexes purs, l'anticipation, la belle gestion des plans de jeu. C'est carré, c'est propre. Ouais, très bon backdash ex-Tenko hein, au travers du Kikoken. Kizu qui commence en retard, mais qui va pouvoir reprendre voilà, de l'avance sur cette position. Excellente. Ils mettent même les Mujin Kaku à fond. Bonne échoppe hein, de Valmaster. Bon, ça peut être le coup de sortie du coin là, cette échoppe là. Il sait qu'il peut pas trop upside down kick. Il sait qu'il peut pas trop sauter à chaque fois qu'il a sauté. Ouais. Chaque fois qu'il a sauté, ça l'avait tué. Donc là, malheureusement, il a pas trop de moyens de refaire tomber le stun. L'idée aurait été de faire V-Reversal pour faire tomber le stun. Il n'a pas choisi de V-Reversal. Merci beaucoup, Kellyan, pour tous ces subs offerts. Que ce soit Pharaoman, que ce soit Karazaradegar, que ce soit Kiko, que ce soit Omega Pain, que ce soit Lucky, Loki. Les Moudamouda pleuvent. Et l'avantage est à Kizu. Je vous rappelle que vous avez parié Valmaster vainqueur hein, de ce match. Ça n'est absolument pas garanti. D'autant plus que Kizu, eh bien, commence avec un gambit d'ouverture. Qui trouve une ouverture de garde sèche. Oh là là, ces petits quarts de vie là que t'as gagné au tout début. C'est très 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 bon. C'est NMP, c'est NMP. Et on repousse au Kikoken. On sait que Valmaster peut perdre un BO5 et ensuite revenir derrière, qu'il peut prendre de la donnée sur le premier BO5 pour ensuite se battre. C'est pour ça peut-être qu'il est un peu moins agressif, un peu moins efficace, un peu moins efficient. Décalage chop arrière. Pouf, redécalage chop. Ah, il est très bon, il est très bon sur le jeu de chop ou pas chop. Une chop arrière et tout était dépeuplé. Là faut tuer maintenant. Est-ce qu'il peut? Ah, il peut pas. Ah, il peut pas. Il prend le pif d'Axe Swing.
merde. Celui de la garde est joli et il a bien vu le décalage chop de Valmaster qui était là pour tuer. Sur l'activation V-Trigger, on fait croire que le V-Trigger va être fondamental, mais en fait on fait juste une simple chop. La lecture de Kizu d'anticiper justement qu'on s'appuie sur la chop et pas sur les coups, qui sont démultipliés cela dit en V-Trigger. Très rare de voir le stand medium kick, mais ultra bien utilisé là-dessus. Et 1-0 dans ce quatrième set entre les deux joueurs. Encore une fois, un décalage un peu trop proche. Et le bas moyen pied punit ça. Hein. Faut toujours rester à distance de BAMK d'un côté comme de l'autre. Mais tu sais qu'Ilzu, il connaît parfaitement le match-up. Il sait qu'il doit mettre Shunny dans le coin. Il doit la faire reculer. Donc c'est lui qui doit être le plus agressif. Donc c'est lui qui doit prendre le plus de risques. Il est vraiment, vraiment ultra culotté. Qu'est-ce qu'il joue bien là-dessus? Pas de pif. Il a donc gardé et ensuite décalé Shop. Mais le ex Yakuratsukaku rééquilibre un peu ça. Valmaster qui l'a vu passer en hit n'active pas évidemment le V-Trigger et va essayer de le faire sur une ouverture de garde ou sur, voilà, peut-être ça. Non, c'est pas bon, sur V-Reversal. V-Trigger est... Ouh, attention, un gros pied. Le V-Trigger n'est pas activé exactement comme il aurait fallu. Mais il va peut-être en donner. Ah bah gros point qui a fait whiffer le saut moyen pied. Le maître des foot 6 qui s'est raté d'un pixel sur son jump-in cross-up là. Et ça fait toute la diff. Tu vois, il a perdu énormément de vie sur cette phase-là, alors que si c'était rentré, et il retente quand même ce cross-up une deuxième fois, là où c'était rentré, c'était fini. Un partout, balle de reset pour Killzyu. Je répète, balle de reset pour Killzyu. Il est peut-être sur le point de faire perdre la totalité des points de chaîne des gens de ce stream. Ouais, belle ouverture de garde, hein, Tenko X Tenko, avec encore le poussage chop, se relevant avec Sakuratsukaku, c'est toujours mieux de se relever quand avec ce Spin Bird, il le sait, vu la distance qu'il était là et qu'il voulait bait des chops pour essayer de chimie. Le ex Sakuratsukaku, c'est vraiment l'anti-chimie absolue, safe en garde, il s'en fout. Mais par contre, bon bah voilà, ça le sort pas du coin, il y a toujours cette même problématique, d'autant plus qu'il s'empale dans un crush counter. Les points de chaîne, les amis, pif ou pas pif? Pas pif, il est au zéro vital, mais il a encore envie, en plus il ouvre la garde sur bas moyen point. Est-ce qu'il peut come back? Ouais, est-ce qu'il peut come back? Faudrait le génie, Stan MP, Stan gros point, et la super, ça va jouer en une relevée dash avant, et il anticipe le pif. Valmaster qui revient de 2 avec un stomp mental phénoménal. Regardez la tête de Damascus. Ça fait mal. Ça fait très mal au moral quand tu avais la partie gagnée pour toi. Que Val, au moment où tu lèves les pieds du sol, il a levé les pieds juste pour s'en plier. Tu prends MP, gros point, super, anticipation de pif mort, et que tu avais surtout balle de reset pour toi. Attention, hein. Attention, on rappelle qu'il y a un volant de Clio à la clé. Valmaster qui est toujours poussé au coin, c'est abusé, hein. Je suis désolé, mais en termes de footsies, il se fait broyer le fion sur l'ensemble des matchs. C'est vraiment violent. Ah, il a raté le confirme, mais du coup, il y a un pas gros point bourreau au milieu de tout ça. Mais du coup, Kizu a pas voulu en entendre parler. Et il conjure le sort avec un nouveau X-Resen A. Toujours balle de reset. Hein. Ça n'est pas fini. Oula, t'es moche, hein, Soba MK. Qui se tombe, qui aurait pu mal finir. Mais je pense que ça a surpris Kizu comme ça a surpris Val. Qui voulait très probablement Yakuratsukaku aérien. Qui a raté son Tiger Knee. Son Tiger Knee. Merci beaucoup le Foster pour le raid. Bonjour à tous. On est sur la grande finale des World Warriors de Street Fighter. Juste après ce match, on connaîtra le joueur français qualifié pour les Wars de Street. Ah oui. Ne sera pas tout seul, hein, évidemment. Mr. Crimson aussi sera là pour les accompagner. Mais quand même, c'est important. Avec Kizu qui a certes balle de reset pour lui, mais qui n'a absolument pas l'avantage à la vie. Donc voilà, maintenant il faut faire des dégâts avec le V-Trigger, ce qui est fait, donnant évidemment des ressources pour comeback. Mais l'avantage positionnel est là, il a le coin, il est à deux doigts du stun. Ah, mais pourquoi il prend des bas 5 comme ça sur la relève? J'en peux plus. Pas de reset, il va l'emmener jusqu'au milieu de l'écran. Pif pas, frère, merci. Ok, V-Shift, c'est parfait ce qu'il a fait là, Kizu. Vraiment nickel de chez nickel. Maintenant, faut attendre. Tu prends le moyen point, tu prends le stun
Golden Groupon, il va te mettre super. Valmaster, il en a rien à battre que ce soit pas un round déterminant, jamais il te donnera. Kizuki joue bien et du coup il est plus défensif, donc il est plus sur la garde. Oh, le décalage chop, ça va, et le grattage à la super. Reset de Killzyu, ma gueule. Reset de Killzyu comme ça. Et les points de chaîne. Et les points de chaîne qui s'en vont. Ils étaient 23% à parier sur Killzyu. Ils étaient 23% à parier sur Killzyu. Aïe, 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 aïe. Qui va remporter du coup le deuxième BO5? Vous avez une minute peut-être pour réutiliser les points de chaîne justement gagnés juste avant. Une minute, c'est au-dessus de votre chat Twitch. Valmaster Killzyu va-t-il remporter du coup ce tournoi? Tout va être déterminé maintenant. Le vainqueur de la Capcom Cup, c'est ce dernier BO5. Et là, ça parie à mort. Hein. Je vois 140 000 pour Valmaster. Maintenant que l'on sait que Killzyu a déjà perdu, bizarrement, il y a beaucoup plus de points de chaîne qui sont mis sur Killzyu. Je vous rappelle que le record absolu, c'est 400 000 atteints par l'incroyable TKR, il me semble. En termes de pari, il y avait un peu plus de minutes. 240 000 Valmaster, 200 000 pour Killzyu. On atteint les 250 000 pour Val. Et alors que ça remonte très très fort du côté de Killzyu, 230 000, 322 000 pour Val. Quelqu'un a donné un nombre de points hallucinant. Ça croît toujours en la victoire de Valmaster qui terminera à 429 000. Absolument incroyable. Tout va se déterminer ici. C'est l'ultime BO5 de cette Ultimate Open Series. La finale des World Warriors français. Le vainqueur de ce BO5 gagne un billet pour Los Angeles et le tournoi le plus cher de Street Fighter du monde. Extrêmement important, il vaut tellement cher là le tournoi. Comme d'habitude, même si Valmaster prend parfois quelques petits dégâts, il se fait systématiquement pousser au coin par Killzyu qui remporte le tournoi de Footsies. Hein. Mais grâce à une excellente gestion de la pression et d'Ormo de Chun-Li hein, qui sont quand même chiants, même quand cette dernière est coincée, il réussit toujours à se sortir de là. Pas d'activation V-Trigger sur bas moyen pied. On sait qu'il est très très loin sur ce saut. C'est donc un jump out garanti. Il n'a pas de super à mettre. Balayette V-Trigger. Pas de pif. Très bien. Et il prend le bas moyen pied dans la garde. Gurenken pour le rempli. Et c'est fini. Ah ouais, t'as le malheur de mettre un Gurenken dans le vent. Ces gros points VT morts. Gros points VT morts. Au secours. Hein. Absolument au secours. Très bon gros point. Très bon gros pied, pardon. Val qui, ça y est, commence un peu les rounds avec de l'avance à la vie. On sent qu'il essaie de consommer un peu plus, changer un poil ses plans de jeu. Je rappelle qu'il a perdu quand même le dernier BO5, donc c'est pas simple. Il aime pas se faire pousser au coin par Karine. Par contre, là, il prend des risques avec le gros pied. Il passe en dessous avec bas moyen pied et avec les Gurenken. Ok, pif, très bien. C'est un peu culotté, mais là, il est sans ressources maintenant. Sans chemise, sans pantalon. Du coup, son V-Trigger est quand même largement moins efficace. Ah, il a la super de charger, là, Killzyu. Je pense qu'il peut garder ça. Ouais, il a trouvé Blockstone sur Ekora Tsukaku. Et là, bas gros point fait où il fait, mais le recover du bas gros point est trop long. Dommage qu'il n'y ait pas le vrai combo avec Kikoken. Sans pal, malheureusement, dans un stand MP. Et ça devrait tuer avec deux barres de Yex. Combo, hein, quand même, de Karine. Un partout. Allez, c'est tellement équilibré, mais c'est abusé. Après, plus les rounds vont passer, plus on va approcher du moment fatidique, mais ça risque de se jouer au dernier round. Tellement c'est équilibré entre les deux joueurs, c'est juste abusé. Hein. Ça va jouer au mental. Va falloir être vraiment solide. À mon avis, il n'y aura pas vraiment de counter pick. En tout cas, pas de raison, sauf si un gros stomp de zéro. Avec le sentiment que c'est impossible de gagner. Ouais, bah gros point, il a eu raison de tenter ce jump-in, Valmaster. Il était très en avance à la vie. Pour une fois, il arrivait à pas trop se faire mettre au coin. Et voilà, et tu vois, V-Reversal offensif. Hein. Killzyu, il a compris, le coin, c'est la clé de la victoire. Donc il va vraiment souvent utiliser V-Reversal offensif. Ouais, c'est dommage de se faire ouvrir, cela dit, la garde là, parce que là, ça va perdre le set. Je vois pas comment est-ce qu'il peut revenir. Ah, ça tue pas, cela dit, il conserve ses barres de Yex, parce qu'il sait qu'il a encore des moyens de faire suer. Ah, oh, sans déconner, le coup, frère. Oh. Ah mais moi je bouffe ça, je casse mon stick, hein, je vous le dis tout de suite. Hein.
Je le casse en deux. Le gros pied de Dalsim, là. Je casse mon stick. C'est obligé. C'est horrible. En plus, en V-Trigger, avec la hitbox étendue de mince, là. Pouah, c'est tellement dur d'arrêter ça. 1-0 pour Val. Merci, Wesley. Très, très dur. Valmaster, 1-0 à présent. Oh, regardez comment ça joue. Regardez comment ça joue serré. En tout cas, Val, il a compris. Hein. Faut pas se faire mettre au coin. Kizu a aussi compris. Voilà pourquoi il utilise Resen A, follow-up, glissade. Il veut pousser au max. Valmaster dans le coin. Ce qu'il réussira à faire avec ce décalage bas moyen point. C'est lui qui ouvre la garde. Voilà. On a l'avantage là-dessus sur Sten petit pied. Oh, bien joué ça. Instant bas moyen pied. Ça ouvre la garde. Ça aurait pu même terminer de façon encore plus terrible si jamais il avait réussi à mettre le cross-up. Ça lui a au moins permis de sacrifice hit et de sortir du coin. Ah, c'est pas bon. Hein. Si Killzoo arrive même plus. Ah, il fait activation V-Trigger pour casser le V-Reversal et mettre la chop. S'il arrive même plus à bloquer, malheureusement, Valmaster dans le coin, la Kizu, ça va commencer à devenir très problématique. Et bonne chop, mais ça ne tue pas malheureusement avec une super qui est ultra menaçante. Moindre ouverture de garde, c'est mort. Bien joué. Bien joué, on sait que le gros pied est un véritable problème. Voilà pourquoi il reste baissé. Et Kizu pour empêcher Valmaster de se dire je vais utiliser gros pied, je vais utiliser gros point. Il se baisse. Et comme il va se baisser, il sait qu'il risque d'utiliser des low kicks. Du coup, il appuie sur moyen pied pour les faire whiffer. Il est malin hein, quand même, Kizu. Hein. Vraiment, il n'est pas né de la dernière pluie. On sent l'expérience de jeu quand même derrière. Utiliser les chiffres très tôt. Hein. Et là, sur ce round, Valmaster se fait plus mettre dans le coin. Là, Valmaster prend de plus en plus d'avantages. Hein. Tu vois, Kizu, il est poussé à piffer. Pour prendre un, il prend un cross-up en garde, il bourre. Hein. Donc, c'est pour vous dire à quel point il est ultra sur la défensive actuellement, le joueur de Karin. Il aime pas du tout le mindset qu'est en train de prendre Valmaster. Qui est vrai. Très sûr de lui, tu vois, qui coquine ex alors qu'il est dans le coin, là, il cherche même pas à sortir du coin. Il sait qu'il va pouvoir hacker. Mais non, pas l'option d'un kick, c'est une grosse connerie ça de faire ça. Oh, il a raté le combo. Oh, il a raté le combo qu'il joue. Enfin, ça, par contre, dans ce match-up, faut rien rater. Hein. Rien de rien. Allez, heureusement, la chop lui redonne un petit espoir. Il va réutiliser cette moyen pied, ce qui lui avait permis de prendre le round juste avant. Valmaster doit comprendre qu'il faut pas qu'il appuie sur l'eau. Voilà pourquoi il fait kick coquen, ce qui est plutôt intéressant. Super, et il est mort. Super, il est mort. Non, toujours pas. C'est tendu du slip. Voilà. Les étincelles, ma gueule. Au final, c'est toujours le gros pied. C'est toujours le gros pied qui est là. Incroyable, mais vrai. Ouais, il avait peur du V-Reversal, évidemment. En tout cas, il n'y a pas eu de super. La pression est là. Ah, V-Reversal, il peut pas super, j'avoue. La pression est là, mais Valmaster est largement meilleur sur ce set-là. Après, V-Reversal, il pouvait traverser tout. Ah, c'est quand même compliqué. Activation V-Trigger, alors qu'il est toujours, il a toujours pas touché le coin. Contrairement au premier BO, Valmaster ne touche plus le coin. C'est abusé, hein. Oh là là, les dégâts. Oh là là, gros pied. Et c'est gagné. Le jeu vidéo. Incroyable. On vit des moments inoubliaux. On vit des moments inoubliaux. 2-0, Valmaster, 2-0. Incroyable. Pour aller rembourser la Clio à Los Angeles. Ah, Kizu doit absolument se ressaisir. Je sais que c'est pas simple. Allez, voilà, là, il y a une grosse erreur sur ce Spinning Bird simple. Il a fait l'erreur aussi de mettre Tenko dans le vent. Même s'il prend pif. C'est moins grave, on va dire. Un Valmaster a accepté de perdre ses dégâts juste pour sortir du coin. Il est toujours en menace de stun. Mais je sais qu'il préfère activer V-Trigger. Voilà, en restant bien loin. Plutôt que de risquer de faire un V-Reversal. Ah, j'ai dit ça, il fait V-Reversal à ce moment-là. S'il te plaît, Valmaster, aide-moi là. Je coule dans mes commentaires. Pour justement avoir un V-Trigger, histoire de revenir. Voilà, le comeback va être extrêmement compliqué. Hein. Il faut absolument... Ouais, il peut mettre V-Skill. Ouais, franchement, ça va être chaud. Comment est-ce qu'il peut sortir de là? Ouais, jumping.
C'est de la merde. 1-0 pour Killzyu. Ah là, de toute façon, ce qu'il a mis dedans, c'est l'utilisation du V-Reverso. Ça lui a empêché d'activer V-Trigger. Mais du coup, il y avait peu d'espoir sur les comebacks. Sur les comebacks juste derrière. Vraiment. C'était très 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 compliqué. Allez, l'avantage positionnel enfin, ça y est, Killzyu qui retrouve la position de coin qu'il est mettant. Et là, il est en situation de gros Karine Perfect. Stun trouvé. Qu'est-ce qu'il va faire? Reset ou pas? Ouais, il fait Resen A pour être sûr d'avoir l'avantage à la relever. Parfait. Donc il y a quand même un X qui coquine, stun moyen point et le gros point qui réouvre la garde. La classe sur V-Trigger, il prend chop juste derrière. Attention parce que la super se charge, oui, il s'est gargarisé. La qui coquine bouclier qui rend le stun et donne la balle de match à Valmaster. Balle de match. Lors de DVD et parmi nous. Lors DVD, la balle de match, tout à fait. Ah, très bon bas, moyen pied, ex-Tenko. Allez, la mise au coin Killzyu. Voilà, voilà, c'est ça, Valmaster. Il fait des sauts vides, des empty jumps pour se remettre au centre. Il appuie pas sur les boutons. Il a vu la balayette dans le vent. Cet homme est un génie des réflexes. C'est terminé. C'est quasiment terminé. Comment ne pas boire la tasse après avoir s'être fait whiff punish une balayette dans le vent? C'est juste complètement abusé. Une balle, un hit pour se qualifier pour la Capcom Cup 2022, mesdames et messieurs. Valmaster remporte 3-0 ce tournoi et cette grande finale et se qualifie avec un brio gigantesque pour la Capcom Cup. Et bien voilà, deuxième représentant français, il a la Clio entre ses mains, il va pouvoir l'emporter avec. Bonjour ma chérie, merci à tous et merci pour l'ensemble des subs gift en battant Killzyu après avoir perdu, je rappelle, le premier set 3-2. Valmaster remporte le deuxième set 3-0 et se qualifie pour la Capcom Cup. Il rejoindra Vegapatch récemment qualifié, Ending Walker récemment qualifié, et il va se battre pour nous représenter avec Mr. Crimson. Merci, merci Kélian. Kélian, il a claqué son PEL en sub-gift. Ça ne veut plus rien dire. La cacuprout maintenant. Attendez, je récupère un poumon, si vous le permettez. Mais c'est juste complètement fou. GG, franchement, Val. Là, ce que tu as fait, c'est quand même assez exceptionnel. Voilà, le match des 3-2, le seul qui a cassé le cœur, c'est Killzyu, hein, avec des 3-1. On saluera tous les participants quand même de ce tournoi, hein, qui ont montré un niveau de jeu exceptionnel. C'est juste un truc de malade mental. Freya, hein, grosse... alors, c'est pas une révélation pour moi, mais peut-être révélation, hein, pour vous. Qui a failli emmener loin Nash. Ça, quand même, ça régale. Et puis enfin, encore un TKR, Luffy, Killzyu, Valmaster. 4 grosses valeurs sûres françaises. Mais il n'y en aura qu'un qui pourra remporter, évidemment, tout ça. Alors, voilà. On va marquer, du coup, eh bien, une pause. Hein. On pourra saluer, évidemment, Valmaster. N'hésitez pas à lui envoyer des bisous sur Twitter. Ça lui fera très, très, très plaisir. Merci beaucoup pour tous les sub-gifts. On va marquer une pause et retourner sur Street Fighter 6. Maintenant, je dois bien vous avouer que là, je ne sais pas si je peux organiser une cacuprout 3 en 2 frames et demi. Il faudrait déjà que je relance le jeu et que je vois. Parce qu'il faut quand même que des gens s'inscrivent. Donc c'est un peu compliqué. Ah merde, les points. Les points, c'est vrai. Je rends l'argent. C'est vrai, les points. Qui a gagné? Valmaster. GG. Valmaster. On a Valmaster. D'ailleurs, on a Valmaster. Attendez. On a Valmaster en qualifié. Calmons-nous. Et on l'entend parfaitement. Non. Spoiler, non. On l'entend pas. C'est absolument incroyable. Alors, attendez, je vais essayer de tricher. Je vais essayer de tricher. Je triche. Merci beaucoup.
Merci, merci. Attendez. C'est dur de jouer au jeu avec le lag. Quand il y a du lag, c'est tellement dur de jouer. J'aime pas jouer avec ces petites incertitudes. On se rappellera tous évidemment du gros point de TKR qui était vraiment passé. Il y a un moment, c'est vrai que j'ai joué beaucoup à Overwatch parce que j'étais bon à ce jeu. C'est pour ça que entre Street Fighter 4 et la fin de Street Fighter 5, vous m'avez pas vu. Mais je suis revenu l'année dernière. Je jouais de temps en temps avant, mais je m'investissais pas sérieusement au jeu. Voilà. Et l'année dernière, depuis janvier, maintenant j'ai joué beaucoup plus avec surtout Akainu et Kizu. Ils sont tellement bons. Mais j'ai pas joué avec beaucoup de personnes. Mais comme cette saison, le jeu est vraiment très bon. Traduisez, Chun-Li est plus forte. Beaucoup de personnes peuvent gagner, même s'il y a Luke qui est un peu chiant. Je pense que le problème principal du jeu, c'est pas forcément Luke. Si t'es très fort, en foot 6, tu peux battre Luke. Et même s'il fait beaucoup de dégâts, tu peux t'en sortir. You're not going to see Kizu losing against a random Luke, for example. Like Kizu is amazing on foot 6. I already know that Kizu will be one of the best on Street Fighter 6. I think. Ouais, en vrai, je pense que Kizu risque d'être un des meilleurs à Street Fighter 6 parce que vous savez que dans Street Fighter 5, les foot 6 ne sont pas les choses les plus importantes malheureusement. Il y a aussi la pétence un peu du jeu, les guesses, c'est ça qui est surtout important. Dans Street Fighter 6, le jeu va être très 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 orienté sur le jeu de jambes. Je joue Kimberly, j'ai joué Kimberly hier sur Street Fighter 6. J'adore jouer Kimberly, mais j'ai joué Chun-Li, je me sens bien avec Chun-Li sur Street Fighter 6 aussi. Mais je pense que je vais essayer un nouveau perso. Je me sens bon avec Kimberly, mais je sais pas trop si elle est bonne ou pas. Quelqu'un dit, certains disent que Kimberly est vraiment pété dans le jeu. Mais bon, je pense qu'il faut attendre que tout le monde apprenne un peu les match-ups. One of the most unique Capcom Cups, because the entire merci world beaucoup, is terrible. Like, it's so different. What's the prep going? Because obviously you have Chun-Li, you have Menat, you have a couple other characters. Is it Chun-Li Menat all the way? Are you still gonna work on? Yeah. Voilà. Donc à la Capcom Cup, qu'est-ce que tu vas jouer? Est-ce que tu vas sortir d'autres persos à part Chun-Li Menat? J'ai joué Oro et assez bon. Si je jouais pas Chun-Li, je pense que j'aurais joué Oro. Les gens pensent que Akainu joue Dan pour le troll, mais pas du tout. Pas du tout. Dan est vraiment très fort. Et ça, on sait que Dan est top tier ici. Hein. Il troll pas du tout quand il joue Dan, il est très sérieux. Il perd des tournois juste à cause du mental. C'est souvent ce qu'on reproche à Akainu malheureusement. Mais si tu joues contre lui, tu verrais à quel point Akainu est trop fort en fait. Il a l'habitude de jouer à Akainu qui n'a pas de pression. Akainu sans ses chaînes quoi. Mais à la Capcom Cup, je vais sûrement prendre Chun-Li. Maybe Menat. Menat un peu. It depends on who qualifies. Ça dépendra de qui sera qualifié et de qui est-ce que je vais rencontrer quoi. Against Ticker, I want to stick with Chun-Li. Ah, ouais, Kizu, mon pauvre Kizu. I always win against him, I always won. But I think I did a mistake because I almost lost because of this. You can lose very quickly on. Tu peux vite perdre en fait. Sur des trucs à la con. Because it's a mirror matchup. It's very risky to play the mirror matchup sometimes in this game. Ouais. Especially if you play surtout si tu joues Mena contre Chun-Li, c'est mieux parce que jouer Chun-Li, ça peut très vite mal tourner, on va dire. Dire que la proportion des dégâts et l'importance du guess dans le jeu, donc des choix que tu fais dans Street Fighter 5 sont là. Vous savez, l'importance des choix qui va être grandement diminuée par le nombre de possibilités défensives qu'il y a notamment dans Street Fighter 6, le Drive Impact, le Drive Parry notamment, les Drive Reversal, etc.
et le fait que quasiment tout le monde est un pif, hein, il me semble. Ouais, on sait qu'il y aura aussi Crimson. Tu iras sûrement à le jouer. J'espère qu'il perdra avant. Bâtard. I don't give a fuck. Give me Poison, give me Luke. But I don't want that Sylas. Fuck that Sylas. Oh my god. Well, listen, Valmaster, a big congrats. It's been a pleasure to like ouais. Watch the entire season. Oh, yeah, GG, hein, ça a été très très agréable de devoir jouer. C'est vrai, c'est un joueur qui est agréable à voir jouer quand même. Vous le suivez probablement depuis la KQ Top, Valmaster, à l'époque de Street Fighter 4. C'est un joueur qui est agréable à voir jouer. C'est un joueur qui joue propre, tu vois, c'est agréable de voir jouer les joueurs proprement, tu vois. J'ai déjà joué contre Four Fizz, Crimson, Phenom. J'ai pas vraiment tant joué que ça contre Phenom, mais je devrais jouer un peu plus contre lui pour gagner de l'expérience parce qu'il est qualifié Phenom aussi à la Capcom Cup. You have to watch more videos than play people. It's ouais. More important that... today it helped me a lot against Akainu, for example, because against Akainu it's not 3-0 like this every time. Ouais. Contre Akainu, moi quand je joue contre lui, c'est vraiment très très serré. Vous devriez mater plus de vidéos de Dan, il y aura peut-être des Dan qui vous surprendront durant la Capcom Cup. Dan est vraiment fort. And Kizu, yeah, it's very unlucky that Capcom didn't give more slot to some. C'est, ils trouvent ça un peu dommage que Capcom ne donne pas plus de slots à certaines régions qui ont des joueurs très forts parce que ça rend évidemment la qualification très chère dans des régions où il y a énormément de joueurs forts. Si Killzyu allait à la Capcom Cup, il pouvait tuer la totalité des joueurs de ce tournoi. Je rappelle Killzyu qui avait déjà été qualifié à la Capcom Cup. Capcom Cup qui a été annulé. Ouais, c'est ça. Ouais, tu vois, personne ne veut faire les Last Chance. Il y a sûrement 28 joueurs japonais dans les Last Chance. C'est peut-être le tournoi le plus dur du monde, tu vois, c'est le... C'est impossible à gagner, quoi. Congratulations. Félicitations Valmaster, évidemment. Ouais, t'as peut-être une dernière chose à dire pour tous les gens qui nous regardent. Vous étiez nombreux hein, aujourd'hui. Hein. Si j'ai quelque chose à dire, ouais, suivez bien les joueurs français sur Street Fighter 6 parce qu'il y a une grosse émulation. Évidemment, les bâtards ils jouent tous à la bêta craquée depuis 150 ans. Regarde le petit sourire là, putain, bande de salauds. Bah, venez à la Cacuprout montrer ce que vous savez faire. Incroyable, voilà Valmaster qui rend du coup le micro GG en tout cas.